que ça nous plaise ou non, l'éros s'allume à partir des phéromones. Et c'est ça qui explique ces affinités bizarres, où on dit pourquoi lui, pourquoi elle. Et que vous pouvez avoir un homme en face de femme magnifique, bah ces phéromones, ils vont fonctionner pour la moche, et voilà. C'est comme ça. Et vice-versa, pour une femme qui a plein d'hommes formidables en face, et puis qui va être avec... voilà. Et c'est là que ça s'allume. Est-ce que ça restreint un couple amoureux? Ça, c'est la question qui nous intéresse ici.